Yosh, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 4 de Mass Effect 3. Je suis là, il est 13h37, tiens, oh, très joli hier, 13h37. On est le 29 juillet 2015. Oh là là, je suis perdu, je viens de me lever en fait, quasiment. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? La salle des transports, je crois, il y avait un truc comme ça, non, c'est ça? Je sais plus. Alors là, il n'y a rien. J'y allais pas, acquis de confiance. Acquis de compétences, comme diraient certains. On désactive le scanner. On va le désactiver peut-être au bon endroit. Je peux rien faire là. D'accord. Ah, c'est bon. Ok. Fusil à pompe. Ah d'accord. Étudier les diverses reliques déterrées. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Trop de choses pour que ça tienne en quelques mots. Et ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéines qui n'ont pas encore été étudiées. Oh, pardon. J'étais en train de grave bailler et puis de me prendre une boisson, j'arrivais pas à l'attraper. Pendant qu'il a parlé. Hop, on va se mettre les munitions incendiaires. Oui, parce que j'aime l'incendie. C'est la ligne de tramway. Elle mène droit aux archives. Ok. Cerberus a dû la boucler. Nous devrions pouvoir régler ça à la station de sécurité. C'est juste par là. Par où, par là? Ah d'accord. Bon bah forcément, je vais aller voir vite fait l'autre côté ce qu'il y a. Rien. Bon, dans le doute, hein, je préfère aller voir. Bon là, on a une bonne équipe. Je compte on a une asso, une biotique. Bonjour, ça va, ça a l'air d'aller, non, je sais pas. Oh non! Attention! Sans blague. C'est la seule entrée. La seule à ma connaissance. Ok. Nous allons contourner, restez à couvert. Contourner. Je passe devant. Bon. Ne la laissez pas vous viser. Mettez-vous à couvert. Eh oh oh oh! Bordel! Voilà. Faut que je me remette à couvert encore. Bordel! Eh mais faut se mettre à couvert tout le temps. Ah! Ouh, comment elle fait mal! Gardez la tête baissée! Oui, bah j'ai compris. Elle fait grave mal. Gardez la tête baissée. Wow. On va remettre le bouclage à chaque fois. La tourelle ne peut pas nous tirer dessus d'où on est. Ok. Bon. Ah. Je vais mettre. Vas-y. Entendu. Mais fais gaffe, il y a du monde là. Très bien. Voilà. Ouah. What? Oh, j'ai mangé. J'en ai pris une. Alors. Il ne voit plus rien. Bon, personne ne voit plus rien apparemment. Allez-y, tirez les filles, hein, c'est bon. Ah! Je m'en occupe. Oh là là. Et sinon. Entendu. Oh là là. Je voulais tirer là-dessus, voir ce que ça faisait, mais. Je ne pouvais pas t'attraper. Ok. Par contre, si tu peux là. Juste. Ouais, merci. Voilà. Je veux juste aller voir ce qu'il y avait là-bas. En bas. J'ai cru voir des trucs sympas. Ou sauf si rien. On va juste récupérer les munitions quand même. J'ai pas beaucoup tiré. J'ai laissé les filles tirer. Ouais, je sais. Oui.
C'est pas moi. Munitions max, datapad, ok. Ok. Je sais pas ce que j'ai ramassé par contre. J'aurais peut-être dû aller en bas avant en fait, non? Dresser un périmètre, personne ne passe. On a encore du monde de l'autre côté. Personne. Et coupez-moi ces caméras. On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler? Oh oui, on est au centre de contrôle normalement, non? Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque? Et? Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs, et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Ouais. Le plan foireux, mais vas-y, c'est une bonne idée. Quoi? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. En effet. Commandant, j'ai quelque chose. Ça donne quoi? Oh. Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh! Oh! Bon Dieu! On dirait un zombie. Pas vraiment. Wow. Mais ils lui ont fait quelque chose. C'est certain. Modifié? Par Cerberus? Ils prétendent défendre l'humanité, mais ils infligent ça aux leurs. Ça aurait pu être vous, Shepard. Pour moi, c'est ce que Cerberus vous avait fait. Vous m'assimilez à ça? Vous me comparez à cette chose? J'ignore ce que vous êtes, depuis qu'ils ont mis la main sur vous. C'est bien vous? Vous le sauriez s'ils vous contrôlaient d'une façon ou d'une autre? Ash, c'est injuste. Je vide juste mon sac. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose que la confiance viendra avec le temps. On n'a plus le temps. Les moissonneurs sont arrivés. Je croyais l'ennemi facilement identifiable. Ouais, je le croyais aussi. Allez, un peu de pragmatisme. Pour l'instant, on doit se concentrer sur la mission. Ce qui veut dire faire partir ce tram. Chef? Allô? Allô, ici Delta. Est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce que vous faisiez? Delta. Oubliez ça. Quel est votre statut? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. Les squads éco arrivent pour sécuriser la station. Oh, le plan foireux, toi. Il marche, d'après vous? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Comment ils savent qu'on est Delta, déjà? Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. Ok. Je suis coincé. Bon, bah... Ok. Ah voilà, je pouvais pas bouger. Ok, ils arrivent. Je vais juste regarder s'il n'y avait pas autre chose. Entendu. Je m'en occupe. Bon, y a rien d'autre. Apparemment, j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà. Ah bah, allez, voilà. Ah putain, par contre, les filles... Oui, je... Ah. Voilà. Ah, c'est toi qu'il faut attraper. Voilà. Debout. Voilà. Maintenant, toi. Ok. Je me suis trompé de bouton. Ah bah non. Bon bah voilà. Ok, ça gère les filles. Donc ils sont arrivés par le tram. Ah, je suis au max. Ouais, j'ai quasiment pas tiré. Juste voir ce qu'il y a là-bas. Parce que j'ai pas fouillé en bas en fait. Hein. Là on peut pas y accéder, c'est ça, y a rien. Oui, il fait des roulades, mais t'es normal. Ouais, donc je trouve ça un peu débile, le plan est complètement naze. Genre ici la Delta, bah comment tu sais qu'on est les Delta déjà, Shepard? Bon bah les filles, vous venez?
Ah d'accord, passer à travers. Comment vous savez, ouais, je trouve ça un peu, ouais, chelou. Puis H me saoule complètement depuis le premier épisode. Enfin, depuis le vieux plan qu'elle nous a fait, quoi. La tempête empire, faudrait se manier. C'est la tempête de Star Wars. Les archives sont juste de l'autre côté. Pardon. Avec un groupe de soldats de Cerberus énervés. Oh non. Non, la tempête empire, la Star Wars empire, c'est pas drôle. Vous ne traverserez pas. Le petit cabri là, allez, c'est rechargé, il n'y a pas de munitions, ok, il y en a pas. Bon, c'est bien ce que je disais, c'était un plan foireux, hein. Je suis bloqué, je ne peux pas bouger. Je voudrais essayer de l'appuyer, non, comment ça se passe? Allez, bouge. Je peux juste faire ça en fait, hein. Oui. Voilà, merci. Oh, 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 fuis, fuis. Voilà. J'ai mes bonnes munitions de feu. Je fais très peu de cac, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. J'aurais peut-être dû me spécialiser dans l'assaut. D'accord, je peux pas lui tirer dessus en fait, j'avais pas fait gaffe. Ah l'enfoiré, ils attaquent par derrière. T'as lié d'armes, non? Ah non, il n'y a pas d'armes. Je l'avais pas vu. Bon, on va se remettre un petit peu nos émotions. Voilà. Ah, j'ai envie d'éternuer. Alors, pardon. Ah, j'ai coupé le micro du coup. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt sympa quand même? J'ai coupé le micro. Là, il reste le centurion encore qui veut pas bouger. Ah bah voilà! Mec, écoute, il y a un moment... Oh putain. T'es sérieux là? Allez, barrez-vous les filles. Voilà. Il n'y a pas de munitions par terre. Allez. J'ai vu briller là. Ah, c'est bon, il y en a là-bas. Bon, est-ce qu'on a 5 minutes, putain? Oh, un vindicateur. Bon souci. Alors on modifie, on va regarder. J'ai toujours pas trop compris comment ça fonctionne. Voilà, d'accord. Bah très bien. Ok. Ok. D'abord j'ai un peu compris.
Ça c'est très bien, j'ai le choix entre ça ou rien. Ça j'ai le choix. Ok, j'ai compris. Entre rien et le katana. Et ouais, j'ai mis du temps, hein. Ça c'est très bien. Et du coup, on a dit quoi? Rien ou ça. Et là, le nouveau, le Avenger 1 ou le Vindicator. C'est-à-dire qu'il est plus léger, plus de capacité, plus de cadence. Il fait un peu moins de dégâts. Il est carrément pas précis. Ouais, on va rester avec celui-là. Hein. Déjà que je suis mauvais. De toute façon, je crois que je m'en sers même pas, tout ce fusil-là. On va. Ah bah si, il est carrément plus précis, il fait moins de dégâts. Non, je l'ai lu à l'envers. Il est plus lourd, il a moins de capacité, moins de cadence, plus de dégâts. Ok, on va regarder sur celui-là. Du coup, c'est espace. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai rechangé tout. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien précis avec... Oh! Ah ouais, ah ouais. Ok, j'ai compris, merci. Je vais utiliser... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Merci, au bout de 8 heures de fusil à pompe. Ok, bon, on s'en fout. Non, tu veux pas passer? Y a pas un accès là? Bah si, tout simplement. De l'XP. Donc on peut emporter que 3, je sais pas, va falloir améliorer ça. On verra ça, on fait une petite sauvegarde rapide quand même. Ah, l'homme trouble. Shepard. L'homme trouble? Fascinant, ces protéens. Ils nous ont laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé. L'Alliance a connaissance de ces archives depuis plus de 30 ans. Et elle en a fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que j'ai toujours voulu. Les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs. Votre solution, je la connais. Vous changez votre peuple en monstre. Ils sont améliorés. Nuance. Ah oui? Voilà ce qui nous différencie, Shepard. Là où vous voyez la destruction, je vois le contrôle. Le contrôle du pouvoir des moissonneurs. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions. Putain, j'attendais le dialogue, je suis bloqué, j'ai complètement. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisons. Si nous les maîtrisons. Ah ouais, non, plutôt creux. Vous faites erreur. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Oui, il y a un moment, faut Je ne arrêter. demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. Vous étiez un outil. Un agent à but unique. En ce sens, vous avez réussi. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. What? Assez parlé. Yara. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Shepard. Quoi? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. Oh l'enculé. C'est qui ça? Au revoir, C'est Shepard. Shepard. Merde. Comment il fait ça? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. Hé! Éloignez-vous de la console. Allez! Ouais. Thank you.
Ah d'accord, je l'ai laissé filer. Cache. Bon bah On la colle, la laissez pas filer. Bon bah allons-y hein. Eh oh. Putain, je passe pas à travers. Ah oui, je pouvais tout simplement ouvrir la porte en fait. What? Bah elle est où? Mais, vous l'avez vu ou pas? La voilà. Jurel. Elle s'enfuit. Attention. Je suis dans la merde. Allez, voilà, je suis mort. Bon, de toute façon, je devais arrêter l'épisode. On va l'arrêter là, sur un fail, hein, évidemment. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao tout le monde. Ouss.